احنا كلنا لاصدقائنا اللي كانوا قبل يومين هنا انه في كثير قضايا بيعاني منها شعبنا الفلسطيني، من الجدار ومن الاحتلال ومن المستوطنات ومن الطرق الالتفافية. واليوم بدنا نورجيكم واحدة من هذه المآسي اللي هي المصانع الكيماوية. Alors avec les copains qui sont arrivés depuis deux jours, on a vu un certain nombre de problématiques qui font souffrir le peuple palestinien. Il y a l'occupation, les colonies, le mur, les routes détournées. Et aujourd'hui, on va vous présenter le problème qu'on a avec des usines chimiques. هذا واحد من 11 مصنع موجودات في هذه المنطقة هون اللي احنا واقفين أمامه حاليا، واللي هو أول مصنع بني في هذه المنطقة في سنة 1985. Ici, on voit une des 11 usines qui sont construites dans cette zone-là. Et c'est la première usine qui a été installée dans cette zone-là. Et elle a été installée en 1985. وفي هذاك الوقت توجه المزارعين الإسرائيليين للمحكمة الإسرائيلية لشأنه هذا المصنع بهدد حياتهم وبهدد مزارعهم أيضا. Alors il faut savoir que cette usine était initialement installée sur le territoire israélien près de Netanya, à l'est de Netanya, et que les Israéliens se sont plaints de la présence de cette usine car elle présentait un danger à la fois pour leur santé et pour les champs et les terres, pour l'environnement. بأمل إنها الكاميرا تصور كميات الغبرة اللي بتخرج أكثر من منطقة في اللحظة اللي إحنا بنحكي معكم فيها. كل هاي الغبار تحمل مواد كيماوية وعلى مدار 24 ساعة قاعدة بتذهب إلى مدينة تولكرم. Alors je voudrais que la caméra voie ainsi toutes ces poussières et toutes ces fumées qui sortent de l'usine et qui 24 heures sur 24 et qui arrosent toute la région de Tulkarem. فجاء قرار المحكمة سريع في هذاك الوقت بحيث انه طلب من صاحب المصنع انه يغلق هذا المصنع في هذه القريه الزراعيه الاسرائيليه. Alors quand cette usine elle était installée sur le territoire israélien et que les Israéliens se sont plaints, il y a eu un avis de justice où il a été décidé de fermer l'usine. ففي سنه 1985 زي ما حكينا جاء صاحب هذا المصنع الى هذه المنطقه وبدا يبني مبنى صغير. هذا هو المبنى الاول الذي نراه بين الكونتينرين في الوسط. هذا هو المبنى الوحيد الذي كان يوجد هنا. Et c'est ainsi qu'en 1985, le propriétaire de l'usine qui a dû fermer du côté de Netanya est venu s'installer ici. Et au départ, il n'a construit que ce petit immeuble qu'on voit avec la toiture entre les deux containers. ويجب أن تعرفوا أن هذا المبنى بني على أرض صغيرة تابعة لخط سكة القطار، قطار الحجاز الذي كان يوجد في الدولة العثمانية. Il faut savoir que ce petit bâtiment au départ qui a été construit, il a été construit sur la ligne de chemin de fer historique qui existait avant sous l'ère ottomane. عندما كانت الحكومة العثمانية هناك كان خط للقطار يأتي من الحجاز من السعودية مرورا بمصر فلسطين ومن ثم دمشق في سوريا ويذهب إلى اسطنبول في تركيا. Et sous l'ère ottomane, il y avait des chemins de fer qui reliaient l'Arabie Saoudite à l'Égypte, la Palestine, Syria, la Syrie, Istanbul, Turquie, jusqu'à Istanbul en Turquie. فجاء وبنى هذا البيت الصغير على خط سكة القطار. Et le premier bâtiment qui a été construit exactement sur les traces de ces chemins de fer. وكما تعلمون الطقس في فلسطين، المناخ في فلسطين هو أن الرياح 320 يوما تأتي من الغرب إلى الشرق وأنتم تحسون هذا. Alors il faut savoir qu'ici en Palestine la plupart du temps les vents dominants ils vont plutôt du côté ouest vers le côté est. وفقط 320 jours par an. تتغير الرياح كل سنة في شهر أغسطس لمدة 40 يوما تبدأ تذهب من الشرق إلى الغرب بالعكس. Et il y a à peu près un mois durant l'année, c'est le mois d'août, où le sens des vents s'inverse et ils ont tendance à aller plutôt du côté est vers le côté ouest. فعندما بدأ هذا المصنع يعمل في سنة 86 وعلمنا أن هذا المصنع يمثل خطرا على الحياة وعلى المزارع. Et lorsque cette usine a été mise en marche en 1986 et que nous avons su que ça représentait un danger à la fois pour nous et pour nos terres. حاولنا أن نجمع ولو قليل من المعلومات لكي نذهب إلى القضاء ونطلب إن عدم وجود هذا المصنع هنا في أرضنا. Nous avons essayé de récolter un maximum d'informations et de porter l'affaire en justice pour essayer de prouver que c'était dangereux pour nous. وكانت الكارثة الكبرى في سنة 88. في أحد أيام السنة ذهبت إلى المزرعة
هذه هي مزرعتي. البيوت البلاستيكية التي ترونها هناك خلف المصنع هي مزرعتي. Alors pour moi la catastrophe ça a été en 1988 lorsqu'un jour je suis allé sur mes terres et les métères ce sont les serres plastiques que vous voyez entre le mur et entre l'usine. وكانت الرياح في تلك الفترة قد انعكست من الشرق إلى الغرب. Et à ce moment-là, les vents étaient inversés et donc ils allaient du côté est au côté ouest. فعندما ذهبت إلى المزرعة صباح ذلك اليوم وجدت أن الأرض في المزرعة بيضاء بالكامل. Et en arrivant sur mes terres, j'ai vu que mes terres elles étaient toutes blanches. من كثرة الغبار والمواد الكيماوية التي تساقطت في المزرعة عندي. À cause des poussières et des gaz qui s'étaient déposés sur les champs. بل وذهبت هذه الغبار إلى هذه القرية الزراعية الإسرائيلية. هذه أيضا قرية زراعية إسرائيلية خلف الجدار. Et il y a eu le même phénomène sur les terres agricoles qui sont juste derrière le mur, donc des terres qui sont israéliennes. وقد وصلت هذه المواد الكيماوية إلى الأزهار والنباتات في داخل البيوت البلاستيكية. Et ces substances ont touché la végétation qui était à l'intérieur des serres plastiques. فكان هذا أكبر دليل لنا لكي نذهب إلى المحكمة والقضاء. Et ça c'était la preuve évidente pour pouvoir porter l'affaire en justice. لأنه بعد أسبوع فقط من وصول هذه المواد إلى مزرعتي مات في المزرعة 400 شجرة ماتت جميعها. Parce qu'une semaine après cet incident, 400 de mes arbres étaient morts. بشوفك بعدين. تفضلوا. واو. لشنو هذه المزروعات هون هي مزروعات عضوية خالية من الكيماويات. Parce que ici les bio planting. Les plantations ici c'est de la plantation bio et c'est sans aucun pesticide, sans aucun insecticide. وهي كما ترون مغلقة من كل الجهات. Vous voyez qu'ici elle est fermée de tous les côtés. سيدخل الريح والشمس ولكن لا يسمح بدخول الحشرات إلى هنا. Donc l'air et le soleil rentrent mais à travers les serres mais pas tout ce qui est les insectes. هذا أحد إيجابيات المصانع. Ça c'est un des aspects positifs de l'usine. عندما عرفت التلويث وخطورة التلويث ذهبت بالاتجاه الآخر لأنتج مواد خالية من الكيماويات أصلاً. Donc c'est avec la présence de cette usine que j'ai compris la dangerosité des produits chimiques etc et que je me suis décidé à faire des plantations sans aucun produit chimique. فكما قلت لكم لن نسمح بدخول الحشرات إلى هذا المبنى حتى تبقى النباتات سليمة من غير أمراض. Donc c'est pour ça qu'il y a ce système qui fait qu'il empêche l'entrée de tout insecte pour qu'elle soit pas affectée par aucune maladie. Je vais comprendre comment les abeilles. On a déjà surpris qu'on fasse de l'agriculture bio ici. Enfin bon, je suppose bien qu'il y a de l'agriculture bio partout, mais dans les conditions dans lesquelles déjà les paysans doivent travailler à l'heure actuelle, c'est encore plus surprenant parce que déjà en Europe c'est extrêmement difficile à faire. Les rendements sont vachement diminués au début et tout ça, alors que lui décide en temps quand même de guerre, après avoir perdu toute une partie de son champ, de faire l'agriculture bio, ben chapeau, enfin, c'est assez impressionnant. Le fait de la Palestine, c'est quelque chose, mais juste à côté d'une usine de pesticides, c'en est une autre. Et c'est vrai que c'est... Un joli pied de nez aussi. C'est un joli pied de nez, c'est aussi un acte de résistance, je pense. Et par rapport à ce que Faez a pu nous raconter de sa vie et de son parcours, en fait, finalement, c'est pas vraiment étonnant. Et on a hâte de venir mettre les pieds dans la boue.